Ce que je verrais pour la démocratie, en fait, c'est apprendre aux gens à se connaître, leur donner des lieux où se retrouver, les sortir de chez eux, et aussi qu'ils vraiment passent leur classe sociale, passent leur milieu, et aillent se rencontrer, quoi. Et apprennent à se connaître, voir leur intérêt commun, bouger ensemble. Et ça, ça donnerait une bonne base pour après construire quelque chose. Je pense que pour améliorer la démocratie, on devrait instaurer dans la Constitution un mandat impératif afin de révoquer par référendum d'initiative populaire les élus, quelle que soit leur nature, afin qu'ils respectent leurs engagements. Alors pour moi, il faudrait juste qu'il y ait un peu plus d'amour, c'est-à-dire il n'y a pas de race, il n'y a pas d'orientation sexuelle, pas de religion. Si on pouvait tous aimer ensemble, ça pourrait déjà bien aider pour la démocratie. Ce qui est important, c'est de favoriser l'éducation populaire. Il y a un outil qui est formidable pour ça, c'est la vidéo, en particulier la télévision. Malheureusement, les programmes de télé, les chaînes de télé aujourd'hui ne sont plus tout à fait au niveau pour faire une bonne éducation populaire selon moi. Et donc ce qu'il faudrait, c'est créer une vraie chaîne citoyenne, collaborative, participative d'éducation populaire pour permettre de transmettre le savoir. Et je pense que c'est l'une des meilleures manières de favoriser l'éducation populaire indispensable à la démocratie. Bon, si je devais retenir une idée, ce serait simplement que les partis politiques se tapent moins sur la gueule et essayent de plus essayer de travailler entre eux pour essayer d'avoir des solutions concrètes. Parce que quand je vois les débats, j'ai plus l'impression qu'ils sont en train de se taper dessus les uns sur les autres sans penser aux vraies conséquences. Pour améliorer la démocratie, je pense que ce qu'on pourrait faire déjà, c'est donner un peu plus de parole au peuple, en accentuant sur les référendums, en essayant de justement laisser le peuple parler, et voilà. Pour moi, améliorer la démocratie, ça serait diffuser le pouvoir. Pour reprendre une expression d'un candidat politique, ça serait abolir la monarchie présidentielle. C'est-à-dire que plus de monde serait dans la capacité à prononcer leurs opinions, leurs idées, pour que tout le monde y réfléchisse, chacun, et puisse trouver un accord commun qui convienne à plus de monde possible. Et j'estime qu'une personne ne peut pas décider pour 60 millions de personnes. Mon idée pour améliorer la démocratie, ça serait de s'engager localement dans des associations, des collectifs politiques, dans des journaux, des associations pour changer la vie de la commune, du département ou de la région. Je pense qu'il faut travailler sur l'éducation, l'esprit critique, la collaboration et la connaissance. Et que tout ça, ça marche ensemble. Ce qui est d'abord en premier lieu assez triste, c'est qu'on demande juste aux gens de voter, puis après on leur demande de rentrer chez eux. Ils n'ont plus aucun contrôle sur ce qui se passe, et ce qui est compliqué, parce que les personnes qu'on a élues, ils ont une certaine liberté, ils ont une liberté de faire ce qu'ils veulent, et ils ont aussi des influences par rapport aux partis ou aux lobbies. Ce qui est compliqué, c'est-à-dire qu'ils peuvent mentir sur leur programme et nous trahir en quelque sorte. Et ce qu'il faudrait, c'est pouvoir les contrôler, pouvoir les révoquer, pouvoir même parfois faire des référendums populaires, ce qu'on ne peut pas faire en France et que certains pays, ou dans certains pays, on peut le faire, ce qui est assez intéressant. Et outre ça, je trouve que la représentation, elle est assez triste en France. On cherche de la stabilité avec un scrutin majoritaire à deux tours, mais on efface pas mal de petits partis ou de partis qui auraient de l'intérêt. Finalement, on efface un peu le débat. Et si on avait un peu plus de proportionnel, je ne dis pas de la proportionnelle à 100%, mais juste un peu plus de proportionnel, tout le monde pourrait avoir sa voix, tout le monde pourrait parler dans cette Assemblée nationale. Et je pense que ce serait une bonne chose, déjà. Beaucoup de choses à dire, mais je vais me concentrer sur l'axe des médias, qui est le quatrième pouvoir non identifié par la Constitution. Donc les dernières élections ont montré que les médias ont une influence considérable, le temps de parole étant prélinéairement corrélé à l'arrivée au premier tour. Donc moi, ce que je propose, c'est de revenir à des principes simples, c'est-à-dire de non-intrication avec les puissances d'argent, qui étaient promues par les ordonnances de 44, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les médias sont contrôlés par une dizaine de milliardaires. La politique, ça nous concerne tous. Donc, il ne faut pas attendre en fait, d'être concerné par un problème pour pouvoir militer contre ou pour ce problème.